Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons rejoindre nous sur Channel pas nous entendre causer jeudi à jeudi 6 janvier 2022. Nous comptons là pour nous capable porter pour nous bonjour information. Une qui cap dominer actualité là, c'est concernant madame Mario Antonio Palacios. Parlez, nous pour saisir tendez gros déclaration li fait. L'autre point encore c'est concernant reste 10 sénateurs. Eh bien Joseph Lambert, un sénateur ça yo déclaré li pa fè yon pakita yon panago deuxième lundi mois janvier ya. Ça veut dire 10 janvier kap vini an la. Mes amis n'ap suiv actualité ça à la lettre pour nous capable porter pour nous sous tande koze ret la nous pa jwenn toute information parce que Joseph Lambert parle nous pa jwenn toute information sur ça mais en vain bon pour un petit temps pour remercier nous toutes qui toujours like vidéo nous yo qui toujours partager vidéo nous ensemble avec yon zami yon famille merci pour ça. Si c'est la première fois ou tombez sur channel ça n'a demandé pour abonner parce que objectif nous c'est battre pour nous arriver à 100 000 abonnés pendant année. Donc mes amis aidez nous faire ça, partagez vidéo ça sur tout groupe Facebook parce que nous mêmes tant de causer nous a fait effort pour nous ban nous actualité à Jean Lier sans wété sans mété nous pas n'cap faire buzz ou bien qu'a bail menti pour nous faire views. C'est pour ça n'a demandé pour like vidéo à ou gen intérêt pour faire ça. Mes amis, on nous entre dans maman causé ya. Mario Antonio Palacios qui quittait Haïti par bateau pour la Jamaïque et il était pensé il t'a ca retourner Colombie et il était prévoir prendre contact ensemble avec ambassade américaine une façon pour capable éclaircir rôle il était joué dans assassinat Jovenel Moïse là. Selon ça, avocat fait quoi? Un journal américain qui rele Miami Herald te gen possibilité pour parler à trois nan avocat Palacios là ensemble avec madame ni. Qui ça yo di? Nous pral tande causer sous Chanel nou entendre causer. Mais ça youn nan avocat li yo fait konnen. Monsieur ça qui rele Nelson Romero. Li di Palacios c'est quitter Haïti pour la Jamaïque parce que ça t'a permettre lui entrer Colombie plus facile et pour te prendre contact avec responsable américain yo parce que si yo te joine Palacios en Haïti, il t'a perdu la ville. Avocat poursuivre vous le dit, affaire arrestation Palacios là, c'est une surprise ça y est pour nous parce que lundi soir, nous t'a tande li dans aéroport Bogota, Colombie. Mais après un bon bout de temps, il n'est pas arrivé. C'est un après, nous venons d'entendre que yo arrêté le Panama et pendant il a fait scale et yo traversé ensemble avec les États-Unis. Ça c'est déclaration Nelson Romero, un avocat. Mario Antonio Palacios ça, il fait quoi? Il fait quoi que c'est une surprise ça est pour eux-mêmes lorsque vous entendez que Américain mettez la patte sous Mario Antonio Palacios. Et il fait qu'on est clairement que c'est sous bateau que Mario Antonio Palacios lui-même dit à Jamaïque. Il dit tout que Mario Antonio Palacios, si vous êtes jeune en Haïti, mais c'est lui-même qui a perdu la ville. A noter, Palacios a un gros plainte. Selon ça, FBI fait qu'on est. Yo akize, yo inquiété comme qualité non complot pour tout le monde et d'enlèvement en dehors des États-Unis. L'été porter soutien matériel li nan tout le monde et moun ça pas l'autre sinon que Jovenel Moïse. Mais kounya qui déclaration que madame Palacios ni même li fait. Eh bien mes amis, mes causé. Dame ça qui relé Lorena Cordoba, il y a trois petites avec Palacios. Il dit comme ça, si Palacios était à Haïti, il t'a mouru, c'est certain. Il y a 18 Colombiens qui sont en prison à Haïti pour qu'on y a, et il y a deux autres, la police est assassinée. Palacios, c'est un monde qui a cherché en pile. Tout côté, il y a une image Palacios sur tous les réseaux sociaux. Et en bas, image ça, en bas, avis ça, il a mis, c'est un nec qui était très dangereux. Ça c'est déclaration madame Palacios qui relé Lorena Cordoba lui-même il fait. Il dit comme ça, objectif que yo t'ai gagné c'était touyer Palacios. C'est un miracle qui fait que Marie là lui-même lui vivant toujours.
Les amis, tant de causes, mais après une qualité de crime comme ça, c'est certain si vous êtes jeune, peut-être si Haïtien est jeune, vous avez le droit de tout élever parce que nous avons deux Colombiens qui sont passés, eh bien, peut-être vous avez le droit de tout élever. Mais nous ne pas assumer si vous êtes tout élever, mes amis, parce qu'après un crime comme ça, mais pas l'autre, c'est ça. Bon, en tout cas, d'après ça, Lorena Cordoba fait quoi? Il dit, il était toujours à parler avec Maril pendant qu'il était dans caché en Haïti avant l'Italie Jamaïque. C'est un ange qui te protège. Ça veut dire madame était toujours en communication ensemble avec elle et c'est un ange qui te protège madame. Qui ange ça? Qui ange lié? Est-ce que c'est un monde ou bien est-ce que c'est ange ça me connaît un ange mon Dieu? Ange mon Dieu, est-ce que c'est eux même qui te protégé nom ça un criminel comme ça? En tout cas mes amis, nous par contre il dit comme ça à secret crise Maril celle noire qui était dans groupe colombien yo t'ap tenté entrer dans République dominicaine mais il pas arrivé faire ça par la chance te dit madame ni il était fatigué dans caché il pas capable encore il était même pas capable dormir parce que il était inquiété pour l'autre colombien qui dans prison yo. Il dit c'est une surprise ça est pour lui. Façon la vie ou monde capable changer dans un budget. Bon, nèg ça mes amis qui t'a cherché l'agence noire. Yo inculpé comme un monde qui participer dans l'amour Jovenel Moïse, c'est certain la ville vient changer vrai. Donc ça lit clair. Mais est-ce que c'est première action que lui fait tout? Bon, nous pas connait. Selon ça madame lui dit Cordoba qui poursuivent, il dit comme ça, il pas de penser par la sauce t'a pas États-Unis. Il est à l'aéroport lundi, mais il pas alors pas la sauce, pas jamais arrivé. C'est dans la nuit, il apprend une nouvelle là que FBI débarqué, mette la patte sous pas la sauce et mène aux États-Unis. Selon ça, un autre avocat pas la sauce fait qu'on est, il dit pas la sauce te voulait collaborer ensemble avec les États-Unis, mais en tant que homme libre. Les amis, tant de causer en tant qu'homme libre, ça veut dire qu'il est libre, il a fait toute affaire sans restriction, et puis il a collaboré la baille la baille américaine qui a petite information. C'est comme ça que l'avocat par la société a pensé que alors américain lui-même, il a fait le FBI, il a fait. Bien, mes amis, son PI. Il y a un nègre comme ça qui finit de participer dans tout un président humilié un pays. Puis on t'a quitté libre comme tout, c'est ça le dit. Bon, mes amis, mais en tout cas, pas aucun monde qui gagne sens qui t'a prend ça dans mes avocats ça. Pas oublier c'est même avocat ça tout qui a défendu 18 Colombiens qui sont en prison dans pays d'Haïti. Dans même interview, il a fait quoi que gagne un groupe gang qui offre 20 000 $ américains pour tuer Colombiens yo qui n'en prison dans le pays d'Haïti. Mes amis, ça c'est gros déclaration que madame Palacios fait qui relait Lorena Cordoba et ensemble avec trois avocats pendant que yo tap bayon interview avec un gros journal américain qui relait Miami Herald. L'autre moyen encore c'est concernant dossier 10 sénateurs qui étaient dans le parlement haïtien. Il y a une grosse discussion, de capable dire gros débat qui pété pour connait est-ce que sénateur ça un mandat va finir lundi cap venir lundi 10 janvier ou bien est-ce qu'il a prêté pour 2023. Ça c'est un gros débat. Il y a monde qui dit comme ça sénateur ça yo pas régler rien donc yo doit bail pays yo doit bail parlement d'ailleurs c'est un cob que haïtien alors l'état haïtien a dépensé en plus parce que yo pas utile rien. Il y a d'autres monde qui dit comme ça faut que yo respecter constitution parce que yo t'es élu pour 6 ans donc yo doit faire 6 ans yo. Donc ça veut dire si yo élu pour 6 ans ça t'a doit finir en 2023. En tout cas, bon faire nous suivre comment Joseph Lambert qui c'est président Sénat lui-même il t'a parlé des dossiers ça et il sermenté yo pas sorti normalement, alors lundi cap venir. D'ailleurs, il dit toute sécurité yo pour yo mettre garçon sou yo pour yo wek ki moun ki ka faire sortir en dans parlement. On nous suivre comment que Joseph Lambert lui-même il t'a parlé. Premier bagage que m'a dit, il n'est pas question de mandat. Si son question de mandat, nous t'a singularisé question en trop. Peut-être qui ça? Parce que
les hommes passent, les institutions demeurent. Tout à fait. Bon, c'est, moi j'étais député. Mais depuis 1995, je ne suis pas député encore. Mais je reste et demeure Joseph Lambert. L'institution parlementaire continue à vivre. Ok. Haïti continue à vivre. Dans quelle direction de 90 à 95 que l'aller, population va juger. Mais, moi, élu sénateur, moi, élu sénateur, après que le président Privert convoqué moi pour me venir dans l'élection. Et dans l'élection, ça a invité me venir. Dans le moment où m'a venir, j'ai gagné 30 sénateurs en fonction, dont deux qui t'ai fait criver, et que moi-même, dans l'élection en face, et que moi, je t'ai dit que j'ai gagné, moi, déclaré sans contestation que moi, accepté que j'ai gagné. Ok. Et je t'ai proclamé résultat en faveur, et j'ai accepté que moi-même, j'ai perdu. Ces règles démocratiques là, faut qu'on aigle ou accepter perdu, faut qu'on aigle ou accepter gagner. Très bien. Je suis un démocrate. Et sénateur Edo Zenit est encore sénateur. Et si Jocelyne Bride ne fait pas de président, il est encore sénateur jusqu'au 8 janvier 2017. Sénateur Annick est encore sénateur. Sénateur Lebon, t'es encore sénateur. Tout l'exaïo, t'es là dans l'élection, ou participer dans l'élection sous une forme ou bien sous l'autre. Il y en a qui t'es là dans l'élection comme président, sénateur privé. Il y en a qui t'es là, qui t'es statut sénateur de la République qui t'a fini 8 janvier 2017, qui t'es encore sénateur, sénateur Lebon. Il y en a qui t'es ministre intérieur, sénateur Annick. Élection faite en novembre 2017, résultat proclamé 2016, résultat proclamé le 3 novembre 2017, le 4 novembre, le 3 janvier 2017, le 4 janvier 2017, je m'en ai venu chercher attestation d'élu, moi, t'avais des certificats d'élu, moi. Et le 8 janvier 2017, sénateur Edo avec toute l'autre qui quitté Parlement, le 9 janvier 2017, moi-même, moi rentré dans le Parlement, nous prêter serment. Élu pour 6 ans. Élu pour 6 ans. Et ceci pour 6 ans. D'accord. Gain un sénateur qui pas de même fin gagné parce que son jeu t'a dit c'est Canadien, il pas de cause ici, pas de cause là, c'est sénateur s'il dort. Élection sénateur s'il doit faire en janvier 2017. Ils ont proclamé résultat en février 2017. Et ils sont rentrés dans le Parlement en mars 2017. Que ils sont rentrés en mars, que ils sont rentrés en avril, que ils sont rentrés en juin 2017 ou bien en novembre 2017, mandat sénateur s'il doit être censé commencer depuis 9 janvier 2017. Ça veut dire qui ça? Janvier 2017, janvier 2023, 6 ans. Nous entrons même le avec président Jovenel Moïse qui était au mandat 5 ans. Mandat Jovenel Moïse a fini le 7 février 2022. Eh bien, mandat Panon, c'est un an après, c'est en janvier 2023. Ok. Est-ce que là, sénateur Lambert, par contre, amalgame, est-ce que c'est pas le fait que le président Jovenel Moïse mourit, nous accepter 7 février 2022, je n'ai pas senti des prises de position qui te prend, là où tu as dit mandat président Jovenel Moïse a fini 7 février 2022, je n'ai pas senti ça te lumineux au niveau du Parlement haïtien. Heureusement, très fort heureusement. Lorsque, voilà que même mon journée aujourd'hui a qui demandé de nous faire solidarité avec eux pour nous dire Jovenel fini en 2021, c'est eux même journée aujourd'hui qui a dit, quand même mandat nous fini nous même aujourd'hui. Heureusement que vous songez, Sénat comme institution pas de prendre position. Bon, zone 6-7 février, tout le peuple haïtien a été souffert pour connaître qui position Sénat prend pour demander président Jovenel
pour dire que le président Jovenel mandat finit le 7 février 2021. Sénat n'a pas de temps pour position le 7 février 2021 pour te dire que le mandat président Jovenel finit. Et par conséquent, pour le Sénat de la République comme institution, il n'y a pas eu d'amalgame. Ok, d'accord. Ah, ça, c'est première et deuxième considération. C'est ça, c'est ça. Question mandat, on ne va pas parler de lui. Ok. Parce que revendication ou remarque qu'a fait yo, c'est une bataille pour le respect des normes, pour le respect des principes, pour le respect des règles, pour le respect du jeu démocratique dans un pays où déjà démocratie pas de dire rien pour le monde. Non, nous pas même besoin d'aller trop loin. Et sénateur Lambert, restez là, c'est pour une précision, parce que moi-même, pas un jeune premier, pas un marin de l'eau douce, j'ai près de 27 ans derrière micro ça, c'est que j'ai des expériences que je vis, guerrier, nous connaissons déjà, chaque fois mandat, un président fini, un président qui est élu constitutionnellement fin du mandat, toujours il y a des sénateurs qui étaient pour passer échappe présidentielle là dans coup l'autre président qui a venir. Ça veut dire que mandat au parlement pas qu'a fini en même temps avec un mandat au président. Et ça fait me questionner sous mandat président. Est-ce que tu es d'accord la fini 7 février 2022 ou bien c'est Kounia qui est venu d'accord ça et ça fait me questionner sur ça. Ou mettre avancer sénateur Lambert. Merci beaucoup Bobsy. Il y a deux remarques encore que je devrais faire. Ce n'est pas pour polémiquer. Parce que moi-même, je passe quelques 16 ans en bas dans le Sénat à faire jouette parlementaire. Donc, je jouette parlementaire à faire bataille côté des contradictions. Lorsqu'il y a contradiction, lorsqu'il y a un débat contradictoire, eh bien, ce n'est pas gourmet. C'est pas voyer balivernes sous l'autre monde. C'est pas dire des mots ronflants à l'endroit dont l'autre. Mais c'est by point de vue. Et puis l'autre là, by point de vue. Et puis, de manière très scientifique, l'une après, qui est-ce qui a raison dans ça que la défendre? Qui est-ce qui n'a pas raison dans ça que la défendre? Mais là, tout sénateur Lambert, écoutez, attendez, sénateur. Fuite en avant ça. Prise de position ça, anticipation active ça, qui ça crée? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'inquiétude? À tel enseigne qu'on a demandé à agent sécurité parlement pour mettre en position 2 et au convoqué deuxième lundi janvier 2022 côté où gagné yon palabre qu'on peut le faire avec tout employé parlement pour qui ça marche précis ça? Est-ce que c'est pas vous qui créez doutio? Est-ce que c'est pas vous encore qui créez nuage? Pour qui ça? Dination. Bien content, Bobsy. Et je me tendais au remarque au matin. Et si je ne pas tendais au remarque, je ne vais pas prendre la peine, je ne vais pas oser relayer tout pour me porter clarification. Le président du Sénat, même réduit à un monde, on peut imaginer que 9 sénateurs qui t'a mouru. Et que tu as arrêté Joseph Lambert seulement comme sénateur. Oui, le Sénat existe. Nous sommes dit là tout à l'heure. Le Sénat existe, Joseph même avec deux ou trois personnes. Joseph Lambert a été incarné le Sénat de la République. Le président du Sénat dans le règlement interne, c'est lui-même qui s'est commandant en chef police parlementaire. Là. C'est lui-même qui est capable de balayer instruction. Et c'est lui-même qui est capable de nommer directeur police parlementaire là. Et c'est lui-même tout qui est capable d'essayer de des consignes particulières lorsque il est nécessaire. Pour songer à un certain moment, Bob, c'est Nelté descend en bas, vider coup de sam à droite à gauche. En dépit du fait, moi écrit la police nationale. Directeur police nationale, la LB, pour me dire, chaque année, à pareille époque, toujours gagné sa relais en rentrée parlementaire. Le Sakounia là, ou bien autant de députés, ou bien autant de sénateurs, ou fait sa relais la séance, comme tu as dit, l'ouverture de l'année législative,
Et en ouverture de l'année législative, là, en temps normal, il y a le président du Sénat qui prend la parole, il y a le président de la République qui descend pour faire un discours sur l'état de la nation, il y a le premier ministre qui est même présent pour lui faire le bilan de, des activités du gouvernement pour année de cette année. C'est ça. C'est les règles. Année ça, la situation, pas même gens. Parce que le bon premier ministre, c'est un premier ministre de facto, qui n'est pas passé devant le Parlement. Et par conséquent, il n'y a pas de rentrée en bas. Okay. Nous avons toujours des relations moun, avec le monde, écoute, etc. Mais il n'y a pas de compte pour le venir rendre. Mais il n'y a pas de compte pour le venir rendre. Pas de ministre qui doit venir rendre compte. D'ailleurs, pas carré les ministres en tout parce qu'on pas ratifié déclaration politique générale ministre. Ou pas qu'à sanctionner. Nous l'avons peiné, sine légué. Pas de peine sans loi. Nous avons été naïfs. Ou pas sanctionner au monde alors qu'on pas de conseil de route. Ou pas qu'on l'ait motivé, il n'y a pas de doux qui ça le faire. Ou pas de bal mandat. Yeah. Même pour nous fonctionner en bas, son budget au bas, bah, nous, puis on dit mon cher, même budget au bas ou année ça pour fonctionner. Yeah. Ça avait dit que alors que c'est vous-même qui connaît à voter budget pour bailler gouvernement et pour capable réeler gouvernement, pour capable connaître état d'avancement dans l'exécution budget. Très bien, très bien. Et comment les PC, c'est ça l'idée. Hein? Faut courir le directeur, faut courir écrire formellement directeur général de la police pour informer de solennité joue ça. Parce que de toute façon, même le pape bien président, même le pape bien premier ministre, faut président Sénat, lui-même, lui font adresse de toute façon à la nation pour le balai en état des lieux et balai ça me décarrelé en bilan, tout en petit bilan, même meg, toi qu'on potache. Eh bien, il faut courir les rois pour appris ça, parce que t'as des mois, les mains oreilles ou bien. Ah oui, les sonner, les bien sonner. Mec, t'as compris. Oui, oui. Les chiches, mais... on te dit en chiche. Oui, les chiches. Chiche. Vous comprenez? C'est ça. Mais il faut courir les quand même, pour capable, faut qu'on fasse une déclaration, pour capable dire qui s'allie, qui soit, qui ça nous est réglé pendant l'année. Et deuxièmement, faut qu'on capable les services protocole, pour du service protocole, et les conditions à tenir pour journée ça. Et troisièmement, pour courir les messieurs policiers parlementaires, pour bailler aux consignes, comme cela a été toujours le cas chaque année. Année ça, les bons caractères particuliers, pour la simple et bonne raison, que, en ben, n'est toujours qu'on vient faire des ordres. Nous, nos situations politiques difficiles et compliquées, au lieu que peut-être pour ne pas anticiper et puis pour quitter toute bagaille, aller leur faire autant d'audio, vacabon vient tirer sous parlement, ils mettent des faits, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, parce qu'il y a toujours des pêcheurs en nos troubles. Ah, au lieu que nous chercher et bataille pour nous joindre un consensus, joindre un compromis, ça va prôner toute la journée, hein, pour ne tirer les peuples haïtiens en misère. Matissant, pour nous retirer, peuple haïtien, en bas net d'Elma, t'as tiré 24 sur 24, craché d'IFE avec Genève. Au lieu que pour retirer, peuple haïtien, dans l'obéi barbecue, pour t'y machin de cabine vendre, pour tout le monde capable de battre librement occupation, yo, eh bien, n'est toujours le même pour plaisir, mettez un bon territoire dans le tracas, un bon territoire dans le problème, et autres, etc. Alors, lors de nos situations. Donc, si vous comprenez, décision ça, son opération, tant de cabane nous avant d'aménager. C'est la logique, parce qu'il faut toujours anticiper. Okay. Parce que, regardez ça qui passe. Si le monsieur était tiré, pas pile tiré en bas, et que nous t'es gagné, nous t'es pensé que nous t'es dans un pays démocratique. Nous pensons que toute bagarre est capable de faire de façon démocratique et de façon honnête. Parce que nous toutes pas même. Nous pas même inviter la police pour nous dédier la police pour le premier jus et autres, etc. Nous pas même informer les policiers parlementaires. Okay. Que c'est seulement 10 personnes en bas. Pourquoi pêcher policier parlementaire tout en pilant pendant la période d'accalmie, yo pas gain grand chose que yo y a fait tout et autres, etc. Yo pas même gain VIP pour yo protéger et certains là-dedans. Eh bien, là, ça a connu, c'est bonne occasion pour le président Sénat tout, au réunir pour souhaiter des feux pour la. Très bien, très bien. Harmoniser avec eux davantage pour nouvel an. Papa Tourné, qui ça empêche ou pas président provisoire pays d'Haïti, journée jodian, à l'heure actuelle, 6 janvier 2022? C'est barbecue, pression de la communauté internationale, ou bien pression et l'autre branche pouvoir et dans pouvoir exécutif? Hein? Cher Bob, c'est M. Dion Bagay, ou a dit menti. Mais.
Je préfère écrire bagay ça dans le livre. Mwen. Mais comme moi-même, nous sommes qui ont dit j'en parle à Diol, mais quoi l'on parle à Ou toujours, je suis bagay mon homme de yon. Oui. Je préfère. Ma vie nous dit dans l'oreille gauche, si me prenez le sorti dans le bouchou, ma retire dans l'oreille droite là pour me dire pas mettre Joli. Bon, je m'applaudis le quand même. Mon film président, papa. Mon film président. Même dans la soirée, tout le monde finit rangé net. Il arrive dans les oreilles. Ou fin président pays. Et puis après, il a détourné. On tape tout le voisin dans toi, qui président. Ah oui, ah oui. Alors, bon vidéo tout pour moi lagué. Ok. Sur les réseaux sociaux. Alors, pour qui vidéo ça y est, Bob, c'est peut-être qu'on a guetté à Wally. Ok. Son vidéo, le président Jovenel, te voit une égale à Léa. Pas gagné 2 ans, oui. Ah oui? L'âme du président Jovenel, ou pas gagné droit faire ça. Peut-être qui ça? Parce que, ou connaît à qui moment mandat X a fini, mandat Y a fini, ou pas gagné droit faire ça. Ok, ok. Et même bagaille là. Ah, ils ont pris et puis ils font montage. Avec lui. Ils font montage en façon pour être capable de monter tête monde. Ok. Pour dire que, voilà le gagné fait, pays va le craser, pays va le ceci, pays va le cela. Que je veux dire? Tout le monde sensé. Regardez qui est-ce qui parle. George Michel parle, constitutionnaliste. Autant de Vince Paul parle. Et certainement, président qui organise l'élection, s'il a gagné pour le parler, c'est dans le même sens ça, tout le parler parce que le connaît le 8 janvier 2017, mandat c'est ça, fini. C'est ça. Autant de Dozeni parle, autant de Carlos Lebon parle, autant de même Sinal Bertrand, qui dans l'équipe Jovenel, il a parlé. Mais on connaît. Non, milieu politique, ou toujours gagnons ensemble d'extrémistes, au lieu que peut-être que chercher plus haut, qui j'en nous capables de mettre ensemble pour nous résoudre une crise, qui j'en nous capables d'essayer de garder pour nous, pour tout le monde faire meilleur culpa, battre l'estomac, pour nous dire nous pas fiers de pays, nous pas fiers de jambes et marcher. On nous fait ça, on mise en commun okay, c'est pour bien, nous créer c'est des bien. Conditions d'accalmie, de sérénité et de stabilité nécessaires pour que 2022 puisse rassembler avec 2023. Bon, on connaît l'envoyé, il a dit non, il ne faut pas reconnaître que c'est ça. On va créer une autre crise encore, ça veut dire mettre Jack sous Jack dans le début de l'année. Ah oui. On a besoin, on en est sur elle. Papa tourner ensemble le pays a tes besoins tant vraiment parce que. Et par Facebook, nous là, nous 13 000 épiques. Et puis, YouTube, 13 000 épiques. Par Facebook, là, nous manquons un petit crasse pour nous 11 000. Ou a bien parlé, ou a bien avancé. Et ça fait que moi-même, ou contemple la même. Je ne parle pas de faire débat avec les gens qui ont des raisonnements simplistes, des raisonnements faibles, raisonnements médiocres, raisonnements sans fondement. Dis-nous, non, en toute honnêteté, qui dernière fois vous rencontré avec Dr. Ariel Henry et puis Youn Bailot en poignée de main? Je t'ai rencontré la dernière fois physiquement. Je t'ai rencontré dans Montana. Ça a gagné la fin d'année. N'oubliez quoi, c'est pas 26-27 décembre. En toute cordialité. Oui. Au contraire, il faut un 4 mois moins. Ok. 4 de sous, ouais. Pour souhaiter bonne année. Et malheureusement, il n'y a pas dans le budget qui pour permettre que le fait 4 de sous et tout. Oh, quelle impolitesse. Mais dis-nous non, le monde attendu là, ils ont laissé comprendre que Ariel Henry ou comme on menace pour lui après 7 février 2022. Ou même tout, Ariel Henry représente une menace pour le Sénat sous bicentenaire là. Et ça fait que il y a tout artifice qui a plumé pour t'a laissé comprendre que. Deuxième lundi 2 janvier, l'autre semaine qui vient là, c'est à fin et reste Sénat sous bicentenaire là. Est-ce que en soi ou même ou reconnaître vraiment son menace pour Dr. Ariel Henry? Mabio, un. Premier ministre Ariel Henry gagne comme mission essentielle, je ne veux dire, dans le pays, là, créer les conditions de sécurité. Créer les conditions pour faire amendement constitution et organiser l'élection pour que nous remettions l'institution en place. Ça, c'est principale mission. Mais mission, ce n'est pas l'attaquer des mandats légitimes des élus. Et par conséquent, on n'a pas qu'à considérer Ariel Henry comme une menace à la fois pour le Parlement, ni pour moi,
parce que Ariel Henry, non, s'il a un comportement qui allait en dehors de ça, eh bien, il a constitué une menace pour la stabilité d'Haïti et par conséquent, une menace pour la stabilité région, une menace pour la démocratie. En toute sincérité, est-ce que sénateur Lambert est prêt et pour dégager une synergie, un commun accord avec Dr Ariel Henry pour nous mener pays vers l'autre objectif, réalisation des bonnes élections, honnêtes, libres, démocratiques? Et permettre qu'on continue et puis après prendre question ça pour Bob. On va tout enchaîner, parce que nous n'avons pas gagné. Ah ok, très tout de suite. Bob, c'est au red, on corrige toi, red. Bye, frère, 2 minutes quand d'accord, même. D'accord, analyse, sénateur. Oui, oui. N'a dit ça, c'est un. Et par conséquent, Ariel Henry n'est pas capable de menace pour nous, pour le Parlement. Et parce que les gains, parce que les a évité mon vie dans l'élection. Pour venir élu. Mais ou pas capable, ou même pour ta mettre dans la situation, pour après couper ou bien craser mandat élu, qui sans doute va le contester, et puis on va l'enflammer tout ton pays, parce que maintenant on est impopulaire ou impopulaire, mais ou pas qu'à foutre par éton 4 000 mounes ou bien 5 000 mounes dans 40, 70 000 qui te votent là. Ou a toujours éton 5. Elle dit que nous pas besoin ça, je ne veux dire, dans le pays. Deuxièmement, on va constituer une menace tout pour Ariel Henry pour 7 février. Ariel Henry, côté président a un mandat, il y a Ariel Henry une légitimité à partir de lui-même. Eh bien, sur base légitimité que le président baille Ariel Henry, hein, eh bien, Ariel Henry a fonctionné là comme premier ministre. Bon, qui est ça qui met les bagailles là? Tant qu'aujourd'hui, dit, dans la dernière question, non, c'est créer les conditions de rapprochement pour que, dans une étroite synergie, nous dégager toute énergie positive. Yo, pour nous permettre que, définitivement, nous arrivions à un consensus acceptable qui pour permettre que le pays a sorti dans l'orbelle que lié là, et ceci, le plus vite que possible. S'il était capable de faire demain, il t'a plus bon. Si mon premier pas capable de faire demain, il t'a plus bon. Si l'autre pas capable de faire après, et puis bon, éviter pays à tomber dans le tracas. D'accord, et pour éviter de tomber dans le tracas, mm-hmm. C'est nous-mêmes, élite politique là, qui pour prendre toute disposition nécessaire pour nous faire ça, nous devons faire dans l'intérêt du peuple haïtien et ceci dans l'intérêt collectif, mot que vous toujours aimez répéter. Monsieur, nous avons une dernière question. Oui. Non, Mado, bon, c'est peut-être même logique là, qui sacrifice ou même, bon, côté pas ou prêt pour faire. Pour permettre que le pays n'a pas continué à enfoncer dans la crise, je dis à la. Je dis ça, tout sacrifice. C'est que je ne veux dire, on a gagné une résolution qui est adoptée par le Sénat et qui fait demain président du Sénat, dans l'échange que nous avons gagné, président de la République, dans une période donnée. Moi-même, avec collègues sénateurs, nous disons ça, monsieur, écoutez. Nous prêts pour nous faire ça, moi, un an que je vais. Joseph Lambert n'a pas gagné. Ont obsession démesurée ou bien n'est pas obnubilé par une question de président à tout prix. Je ne veux dire ça le plus important pour un nègre, c'est pays. Hein. Ça le plus important pour un nègre, c'est ma chaîne qui semble maman mieux qu'on a porté sac sous tête, je capte la montagne. Là, on finit fouiller les yams. Je suis capable de prendre plus au vin, ni porte au presse avec les sous tête aux machines, sans que. Monsieur Tilapli ou bien Iso, pas bloqué au Matissan ou bien pas mitraillé ou en bus. Ça qui est important pour mon dans le pays, je vous dis, c'est le vivre ensemble. Et c'est ça que j'ai toujours prôné le juste équilibre, m'a toujours continué à prôner le juste équilibre. Faire de telle sorte que, pour rapprocher l'extrême gauche ou la gauche de la droite, pour nous venir dans mi-temps, pour nous bagailler win-win, pour que définitivement, eh bien, on se serre la main, et puis on dit, monsieur, on repart. À zéro, eh bien, on mettait Haïti devant, on fait de telle sorte que génération Capbinio, la postérité capable au moins rendre hommage à nous-mêmes. Et c'est ça que nous dit, Joseph Lambert n'est pas l'handicap, le Sénat n'est pas l'handicap, le Premier ministre Ariel doit faire de son mieux pour qu'il ne soit pas aussi l'handicap, et j'invite Montana aussi à faire le grand sacrifice pour essayer d'arriver à ce grand consensus aux côtés de Sessoc, aux côtés de Pen, etc., comme pôle politique, pour que définitivement, ils puissent dégager le consensus minimal national dans l'intérêt de la vie. Papa Tounet, n'a pas fini, mais n'a pas dit que
seul erreur ou t'es fait discours là t'es deux jeunes avec un monsieur il est Patrick Moussignac ou t'es voyé pour t'es passé le sous par Facebook avec YouTube là ou t'es dit nous ça ou a monté les ou a tourné les ou a descend ou pas quitter nous à moins monde. Bravo mon cher, toutes mes félicitations parce qu'on a 13 000 sous page YouTube là et ou presque à 11 000 sous page Facebook là. Merci sénateur Lambert, merci président. Ah, ça a été un plaisir. Bobsé. Oui. Est-ce qu'on a un petit monde longtemps qui content lorsque il y a l'examen et puis il passe l'examen? C'est tout dans le période décembre. Alors, voilà, je ne sais pas pour ça. Et puis là, le passage, là, le avait. Oui. Et puis là, regardez où on rouge. Tout nègre, c'est nègre Jacques Mel, tout nègre Jacques Mel, pas même. On comprend. Mais on fait de telle sorte que nous croisons mais nous ensemble et puis nous dit, on kembe main en main, on avance pour Haïti et pour Haïtien. Allez, papa, même amour, félicitations pour faire play. Yo. Merci beaucoup. D'accord, bonne journée. Bonne année à vous tous. D'accord, sénateur Lambert. Vous joignez ministre Pierre Mariel. Il est déjà en ligne, non? Il fait des matchs toujours. Parce qu'il faut que nous baillons nation en bagaille. Donc, crasé, brisé, coup de zame, tiré par-ci par-là, mon ap mourir, nous bouquons, nous ne pas